Avant que la vidéo commence, merci à Lorenzo Tifa, un abonné qui m'a offert un cadeau sur Fortnite. Donc voilà, merci à toi. Hey, salut à tous les amis, c'est Romain. Pas 2, pas 3, c'est Romain. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale parce qu'on va parler de la saison 2 de Faute d'heure extrême. J'avais fait une première partie où je donnais un peu mon avis et je relevais quelques réponses. Et ça, cette vidéo, elle vous avait énormément plu. Elle a atteint plus de 20 000 vues et c'est juste incroyable. Alors c'est vrai qu'on a été longtemps sans nouveauté. Je sais que tous les jours je reçois au moins 2-3 commentaires qui me disent alors des nouvelles sur la saison 2. Enfin voilà, on va pas se cacher, j'ai 2 vidéos Faute d'heure extrême qui comptabilisent à eux deux plus de 50 000 vues. Donc c'est juste énorme et c'est pour ça que tous les jours je reçois des commentaires par rapport à ça. Donc voilà, je voulais un peu faire une vidéo pour rassurer les gens et donc j'attendais quelque chose de vraiment concret pour vous en faire une. Et donc dans cette vidéo, j'ai contacté avec un abonné, d'ailleurs merci à lui, doubleur de la voix de Sly, qui s'appelle Arnaud Laurent. Et du coup, je vais vous livrer ce qu'il m'a dit après. D'abord, je vais vous lire le screen de l'abonné qui a contacté Arnaud Laurent. Donc Arnaud Laurent lui dit « Bonsoir, malheureusement je ne suis pas sûr qu'il y aura une suite à Faute d'heure extrême. À l'époque du doublage en 2015, le réalisateur n'avait pas l'air d'avoir prévu de suite. » Maintenant, c'était il y a longtemps, donc qui sait? La petite réponse des abonnés qui sont très polis. D'accord, merci beaucoup pour votre réponse. La dernière phrase de sa réponse, elle m'intrigue beaucoup. Maintenant, c'était il y a longtemps, donc qui sait? Alors d'un côté, il dit qu'il n'est pas sûr qu'il y aura une suite, mais de l'autre côté, il dit c'était il y a longtemps, donc qui sait? Voilà, je sais pas, donnez-moi votre avis en commentaire, vous, ce que vous pensez. Et du coup, suite à ça, j'étais très intrigué et je lui ai donc posé la même question et je vais vous afficher sa réponse. Donc du coup, je lui ai écrit « Bonjour, j'ai une chaîne YouTube qui compte à ce jour près de 1700 abonnés. Ma chaîne porte principalement sur Faute d'heure et Faute d'heure extrême. Je venais me renseigner si une saison 2 de Faute d'heure extrême serait envisageable. » Et il m'a répondu « Bonsoir. Alors, je sais pas du tout. En tant que comédien de doublage, je ne suis toujours au courant qu'au dernier moment. » Ce que je sais, c'est qu'à l'époque où on doublait la saison 1, le réalisateur ne semblait pas envisager une saison 2, mais c'était il y a 5 ans. Peut-être les choses ont changé depuis avec le succès de la série. Donc toujours un peu cet aspect intriguant, parce qu'au début il dit qu'il n'avait pas prévu, mais ensuite il dit que c'était il y a 5 ans, donc les choses ont peut-être changé, voilà voilà. Bon, ensuite on a continué à parler, mais je vais pas vous lire la suite. Dites-moi si ça vous intéresse de savoir la suite. Ça concerne plutôt la saison 4 de Faute d'heure, la suite. Donc voilà, je compte en faire une petite vidéo, je pense, parce que ces réponses sont plutôt intéressantes. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous voulez absolument voir cette vidéo. Ça va peut-être me dépêcher de la faire. Bon bah du coup les gars, j'espère que cette vidéo vous a peut-être rassuré un petit peu. Peut-être l'inverse, je sais pas. Dites-moi votre avis en commentaire, vous, de ce que vous pensez de cette réponse. Si vous pensez que c'est envisageable, si ce n'est pas envisageable. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi votre avis en gros. Venez me suivre sur mon Instagram, c'est le réseau social où je suis le plus actif. Vous serez au courant de mes prochaines vidéos, actu et tout ça. Bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner, je me rapproche de plus en plus des 2000 abonnés. Donc voilà, aidez-moi à atteindre cet objectif. Et bien sûr, on n'oublie pas de liker cette vidéo si ça vous a plu, que je continue à faire des recherches, voilà. Et sinon, nous on se dit à la prochaine. Allez, ciao.